Et d'ailleurs, alors pour tout vous dire, c'est parti, je reprends les infos. Donc, Covicube, petit event balancé par Hypierre, voilà, qui permet d'aller faire un peu les couillons et bien se marrer. Alors, forcément, le principe de Covicube est assez punitif et assez expéditif, vu que toute mort est définitive, vraiment pour le coup. Salut Egg, toute mort est définitive, on est en serveur 1.16.5 en ultra hardcore, donc pas de régène. Naturel. On démarre quand même avec 16 steaks et 16 pommes d'or. Et si on meurt, notre compte se switch en spectateur. Voilà, qui pue. Roi Louis aura 9 vies, c'est un chat. Je sais pas si c'est du troll ou pas, ça. Pas de PVP, ouais, parce que c'est un petit peu vénère quand même. On fera un cimetière avec des tombes, blablabla. Ok, voilà, quelques infos. Il y a le... Alors, il y a le Mumble Link. Mumble Link. Qui permet du coup de s'entendre. D'ailleurs, attends, le mumble, je suis pas switché, je vais me switcher. Et toi, Wotan? J'ai l'auto-jump. Voilà. Je suis un peu sous pression. Dans les cartons. Ok. Ah, je suis sous pression là. Ils t'ont entendu? Ah. D'accord. Ok, d'accord. Il m'avait entendu. D'accord. Mais j'entends pas les autres, c'est normal? J'entends pas les autres. Alors où est-ce qu'ils sont installés? Parce que là on est en amplified, il y a des mobs partout, tout va bien se passer. Ouais, je vois beaucoup d'Enderman déjà. Oh là là. Base commune, where? Là, ils t'entendent plus, d'accord. Ok. Il y a du mob. Ah, je suis sous pression là. On est en mode détente et en même temps, je suis en mode sous pression. Je me dis, oh là là, la moindre erreur. Tellement vite. Covicube, c'est quoi? C'est un petit serve balancé en mode détente ou par contre, toute mort est définitive. Salut Étienne, tu vas bien? Là, ça fait bizarre de ramasser du bois à la mano, là, comme ça. Merde. Il me faut des outils. Ils ont répondu, les gens, sur où est-ce qu'ils étaient ou pas? Hop. Donc, du coup, toute mort est définitive. On est en amplified. On a le mumble link. Voilà un peu sur les différentes infos que je peux vous donner. Pas de régène. Donc... Voilà, on va dire qu'il y a, il y a un peu la pression, tu vois ce que je veux dire. Et rien à voir avec la bière, malheureusement. Hop. Toi, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. T'es en mode à l'ancienne, quoi. Hop, on va prendre de la cobble. Alors, bien évidemment, dégâts de chute. Oh, il y a un squelette, mais déjà dès le début. Dès le début. h 07, c'est fini. Quelle bande d'enfoirés! Vous êtes vraiment des mauvaises langues, as fuck! Abusé! Désabonne! Par contre, si je, franchement, si je regarde un Enderman, ouais, c'est mort. Si je regarde, il y en a plusieurs quand même. Si je regarde un Enderman, là, c'est fini. C'est fini, fini. Je vais quand même me faire une épée, vous savez quoi, parce que je la sens pas très bien cette histoire. Et ensuite, on va quand même se faire une petite hachette. Voilà, la machette. 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 Il n'y a pas de base. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, la priorité là, c'est quoi? C'est on se balade, bien sûr. Il me faut de la bouffe.
Ça, c'est normal. On va éviter les spots comme ça ici, complètement à l'ombre, parce que là, c'est ça pue si je fais ça. Et ensuite, salut Dolgaroc. Et ensuite, quoique, attends, tu sais quoi? Les moutons. Bonjour. Ça donne de la bouffe, de la laine. Alors, je dis que j'évite les spots sombres et j'y vais, hein. Voilà, voilà, la logique, vous la connaissez, on est bien. Qui c'est qui est connecté? Hypierre, Ba, Goldown, Jimmy, Mayuko, ML, Redtox, Rollwee, Tungsten, Vartak, Zanzag et Zed. Voilà, il y a un peu de monde, il y a un peu de monde hein, quand même. Il y a un petit peu de monde, et comme je vous l'ai dit, voilà, on est en mode détente. Même s'il y a la pression, forcément, dès qu'on va entendre le premier mort, ça va être en mode « Oh my goodness ». J'ai l'impression d'être un petit peu en mode PVP, là, vous savez quoi? Genre, vas-y, je vais déjà... Oh, putain, j'ai déjà pris un demi-cœur, putain. Oh, non. Non, j'ai déjà pris un demi-cœur. Mais pourquoi? On voit la vie? Ah oui, on voit la vie. Alors, attends, qui c'est qui a perdu? Goldorn a perdu de la vie. ML aussi. Tungsten, elle est mal. Tungsten, elle est très mal. Bon, après, on a tous des Gold Apple. Mais ouais, j'ai l'impression d'être en PVP, en mode, vas-y. Voilà, il me faut du cuir. Bon, attention quand même parce que le petit dégât là. Par contre, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Underman. Et ça, je suis pas fan quand même. Hein. Je suis pas fan. Oublie pas que tu peux être enclumé. Ouais, c'est vrai, mais c'est abusé. 1.16.15, Egg. 1.16.15. Bon, comment ça va tout le monde sinon? Ça fait plaisir. Pour ce petit live surprise, petit live un peu à l'arrache. Alors je vous avouerai que j'ai quand même pas mal de choses sur lesquelles il faut que j'avance sur Olicube. Surtout qu'en ce moment, en plus, avec les cartons, le déménagement et tout, j'ai vraiment du mal à pouvoir jouer et à pouvoir avancer, etc. Mais voilà, il faut quand même que j'arrive à avancer tout ce qu'il faut pour la partie sortie épisode quand même. Hein. Évite les potions, ça finit mal avec toi généralement. Ah les bâtards. Pourquoi tant d'irrespect? Hein? Alors, petit cochonou. Voilà. Oh là là, je suis quand même sous tension. Hein. Je suis quand même sous tension. Hein. Vacances, semaine. Ouais, c'est cool. C'est cool. Début du confinement, ouais, écoute, hein. Alors, malheureusement, j'ai un peu tendance à croire que c'est un peu ce qui va se passer. Ça va être la tendance future, hein. Ça va se multiplier un petit peu, là, les régions qui vont être, les départements qui vont être en confinement, etc., malheureusement. Et malheureusement, je crois que ça va être un petit peu la tendance du futur. Bon, nous on est déjà en région confinée, alors en même temps c'est un peu bizarre parce que c'est confiné, t'as pas forcément l'impression d'être confiné. C'est très spécial. J'ai vraiment l'impression que c'est space. Parce que du coup, bon, moi j'ai la chance de pouvoir aller faire mes courses à moins de 10 bornes, et comme c'est moins de 10 bornes, t'as pas besoin de faire d'attestation, enfin c'est un peu bizarre quoi. C'est un petit peu bizarre. Bon, j'évolue quand même dans une zone assez sombre, faut que je fasse gaffe. Alors en priorité, j'aimerais avoir des vaches pour pouvoir enchanter, je vous dis là ça va être ambiance un peu. Ambiance un peu PVP en fait, hein. Où l'idéal ça va être de très rapidement pouvoir s'enchanter, se faire une armure pour limiter un peu la casse si je me retrouve contre des mobby. Alors je vais juste mettre la bouffe crue ici, ça me permet d'avoir mon budget bouffe. Et ça je vais le mettre ici. Voilà, ok, j'ai deux de laine, il m'en manque un quand même pour pouvoir faire un pieu. Et je pense que c'est peut-être pas. Bonjour, hein. Je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de rusher ce qu'il faut pour pouvoir me faire un lit quand même. Hein. Bon, après, si je suis le seul à dormir, je sais pas si ça fait passer la nuit. Ça fait 24 ans que je me confine, donc clairement, le confinement est moins chiant que le couvre-feu. Ouais. Le totem peut être sympa. Exactement. Après, avant d'avoir un totem. Il me manque un de laine. Il faut que j'aille le chercher. Je sais pas s'il y a le mode pour le pieu ou pas, mais s'il y a, il me le faut. Ambiance PVP sans PVP. Mais c'est exactement ça en fait. T'es quand même sous pression. T'es sous pression PVP et il n'y a pas de PVP. Donc
Mais t'es exactement dans la même ambiance quand même, hein. T'es exactement dans la même ambiance, donc faisons attention. Le problème, c'est que le moutmout, il est quand même pas super abordable, je trouve. Il fait bientôt nuit, il fait bientôt nuit, donc choisissons un spot. Bon, tu me diras, l'idéal, ce serait peut-être d'aller dans les caves. Non, c'est pas ça que je veux. Vidéo settings. Voilà, mets-moi ça en brightness. Bright, baby. Ah, il y a un zombie là-bas. Ouais, ok, ça y est, ça commence. Ça commence. C'est la fête au village. Alors, la pomme, je vais la prendre parce que si je trouve de l'or, je pourrais me faire de la golden apple. Oui, la nuit enterre-toi. Mais c'est pour ça, je te dis, franchement, j'ai l'impression là qu'on revient. Tu sais, les premières fois que tu joues à Minecraft, où on te dit attention, dès la première nuit, il faut s'enterrer. Et toi, t'appliques direct en mode ah, je m'enterre. Dès la première nuit, tu te fous dans un trou. Et limite, tu mets juste une porte et t'oses même pas sortir. C'est exactement ce que je devrais faire. Hein. Je suis en train de faire le couillon, hein, mais c'est ce que je devrais faire là. Je devrais m'enterrer direct parce que. De toute façon, pour avoir du stuff, il va me falloir du. Oh, il y a un creeper là-bas. Non, je vais pas me prendre de poulet. Il y a une cave là-bas. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Bon, espérons que je meure pas le premier. C'est juste ça l'achievement pour moi. Ne pas mourir en premier. Allez, hop, on y va. Direction le trou là-bas. Alors, par contre, j'ai intérêt à vite vous faire des torches. Sinon, vous allez rien voir et vous allez vite râler. Moi, au début, j'ai tué des moutons. 3 exactement. Ouais, j'en ai tué que 2. J'en ai tué que 2, des moutes-moutes. Mais effectivement, un petit troisième, ça aurait fait du bien. Alors, attendez. Je vais juste me faire des torches rapidement pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Ouh. Bon, back tous les basics, là. On en a gros! On en a gros. Hop. Ok, bon là on est sur du classico classique. Hein. Alors attends, par contre je vais juste faire un truc. Vas-y, bougez. Il n'y a rien au-dessus de ma tête de toute façon. J'ai pas envie de faire une Harry. Ah, il n'y a rien, putain. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus sympa. Un tout petit peu d'iron. Ou vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan. On peut toujours aller un petit peu dans les. C'est dommage qu'on n'ait pas joué en. La snapshot est pas assez. La snapshot est pas assez stable, mais c'est vraiment dommage parce que là, ça aurait pu être kiffant d'aller en snapshot en vrai. Avec les nouveautés qu'il y a eu et tout ça. On est en couche 64. Je regarde juste si je vois le zombie, mais je le vois pas. On s'enterre. Non mais les gars, on est en confinement, qu'est-ce qu'on fait? On s'enterre. Je veux dire, tout va bien, tout est normal jusqu'à maintenant. Là, on est bien. On est bien. Ah, ça utilise de la pomme, hein. Ça utilise de la golden apple. Ça va dans le nether, pof, pof, pof. Allez hop. Alors du coup, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une base. Et ça, c'est sympa par contre. C'est vraiment sympa. C'est comme on est sur un event qui est plus en mode on s'éclate et on fait un peu les couillons. Avec quelques règles particulières qui fait que ça change de d'habitude. Ce qui va se passer, c'est que là, on va être sur une manière de faire qui est un peu différente de ce que vous pouvez connaître sur des séries classiques. Donc le but du jeu, c'est de faire une seule et unique base. Et ça, c'est cool. Ouais, alors on l'a, Sealblood. C'est un texture pack qui te permet d'avoir un masque. Mais en fait, le masque n'apparaît que si tu prends un casque en diamant ou en netherite. Mais si j'arrive à me faire un casque en diamant, on pourra aller télécharger le texture pack pour avoir un masque. Et à la limite, vous savez quoi? C'est l'achievement du soir. Ne pas mourir et se faire un casque en diamant avec le texture pack pour avoir un masque.
Ah, il y a un mode complet. Oh merde. Bah, nous, on n'a pas un mode complet, mais on a un texture pack qui permet de le faire. On a ce qu'il faut pour. Donc, ouais, donc ce qui est ultra sympa par rapport aux séries classiques, c'est que du coup, on va avoir qu'une seule et unique. Une seule et unique base, et ensuite on pourra tous du coup aller de chez l'un et chez l'autre, pas besoin de faire des constructions de ports ou quoi que ce soit. Bon, après, il y en a forcément qui vont faire des trucs de ports, hein. On les connaît, hein, les rois Louis et tout ça, mais honnêtement, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment en mode let's go, baby, on délire, c'est good enough, on se fait notre petite base tranquille. Alors, ce qui me fait chier, c'est que je vais arriver en bas au moment où il va faire jour dehors. Ah, au pire, tu changes ton skin. Je change mon skin en professeur Raoul. Vas-y, c'est parti. Vas-y. Easy. Easy, easy. Bon, sachant que c'est pas la rentabilité, hein, de faire ce que je fais. Je préfère quand même juste regarder quel temps il fait dehors. J'aimerais avoir plutôt de la cave naturelle pour pouvoir trouver de quoi faire des outils en iron. Ce serait déjà une bonne chose. Faire une base à la plage avec des palmiers. Oh, j'aime bien, hein, j'aime bien. Fantôme. Ah ouais, il fait encore bien nuit. Fantôme. Ah, les fantômes, ça pique, hein. S'ils ont pas d'arc et tout, s'ils ont pas d'arc, ils vont se prendre des petites claques, hein. Il y a toujours des diamants dans Minecraft. Ah, tu fais. Oui, mais. C'est pas toi qui décide. Merde, j'écris comme un retard. Oui, mais c'est pas toi qui décide. Ah merde. Bon, par contre, j'aimerais bien voir si le Mumble, j'ai pas fait du caca en le paramétrant, et si les autres, une, je les entends, et si eux vont m'entendre. On verra ça après. De toute façon, je vous le dis, l'objectif ultime, c'est ne pas mourir. Ça paraît con. Mais en tout cas, ce soir, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Voilà, les autres, ils peuvent crever, il n'y a pas de souci. Comme ça, je pourrais dire, je suis pas le premier à mourir. Je fais un live sur Nova Skin qui s'appelle On fait un skin professeur Raoul. Putain, dégueulasse. Oh, j'entends un squelette. En vrai, c'est le bon plan, hein. Ça veut dire qu'il y a une caverne ou qu'il y a une faille et que je vais pouvoir trouver des ressources. Donc c'est une très très bonne chose. Salut Groseille. Coucou à tous ceux qui arrivent et qui rejoignent le live, ça fait plaisir. Bienvenue au nouveau follow, Arathorn, bienvenue à toi. Voilà, sur un petit live qui n'était pas prévu à la base. Enfin, je le savais depuis quelques temps, mais on n'avait pas forcément. S'il y avait eu, il y avait un aperçu de date quand même, mais. C'est vrai que comme je suis en plein dans les travaux en ce moment, je savais pas forcément si j'allais être là. Bon, le charbon, on va quand même prendre. Comme ça, je vais me faire max de torches. Et en même temps, on va essayer d'ouvrir l'œil pour voir où est le skull. On n'est pas loin du skull, hein. On est à côté du skull, hein. Ah ouais, je l'entends bien là. Je l'entends bien le squelette là. Je l'entends vraiment bien. C'est peut-être ce que je vais faire, c'est peut-être l'idée la plus bidon de toute la soirée. C'est peut-être le truc que je ne devrais surtout pas faire. Je reboot le serve dans 10 secondes. What? Quelle est cette sorcellerie? Comment se fait ça? Je vais pas aller me taper avec un squelette alors qu'il va reboot le serveur. Du coup, je pense que t'as pas compris où je voulais venir avec la plage et les vrais palmiers. Non, mais j'avais compris les palmiers. Oh!